Bonjour, je m'appelle Mélanie Gramet, j'ai 34 ans et je suis assistante marketing et commerciale dans une entreprise qui fabrique de la peinture. Je suis inscrite chez CFSB depuis octobre 2019, donc ça fait 6 mois que je suis un petit clone. Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 47 ans. Je suis enseignant à l'université. J'ai commencé le CrossFit en juin 2017, ça fait bientôt 3 ans. Bonjour, je m'appelle Marion Cotré, j'ai 32 ans et je suis professeure des écoles à Creil. J'ai commencé au parc du Grand Marais, donc quelques mois avant l'ouverture de la boxe. Je m'appelle Pierre Valin, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en deuxième année de STAB, donc c'est une faculté de sport à Amiens, pour devenir coach sportif indépendant, aider les personnes à se sentir plus à l'aise dans leur corps, les aider à atteindre leurs objectifs. Je me suis inscrit à la boxe en novembre 2019, donc ça va faire 7 mois je crois. Avant de commencer le CrossFit, je faisais essentiellement la course à pied. J'avais des problèmes de dos, des sciatiques à répétition. CrossFit m'a permis de régler ces problèmes-là, puisque en suivant bien les conseils, en faisant moi-même très attention à mes mouvements, j'ai pu me renforcer musculairement et je considère aujourd'hui que ces problèmes-là sont derrière moi. J'ai absolument plus de problèmes de dos aujourd'hui. Ma condition physique avant, je dirais qu'elle était bonne, puisque j'ai toujours fait du sport. Est-ce qu'elle s'est améliorée? Oui, puisque le CrossFit, c'est une pratique complètement différente du sport que j'avais l'habitude de pratiquer. Je faisais essentiellement des cours miles, des cours fesses, abdos-cuisses dans des salles de sport dites classiques. Donc oui, depuis que je fais du CrossFit, ma condition physique s'est améliorée. Ma condition physique avant, c'était aucune, puisque je faisais plus du tout de sport. Et ben maintenant, clairement, je me sens nettement plus en forme d'une manière générale, moins fatiguée. Et puis voilà, même dans les gestes de la vie quotidienne, courir après son train, son bus, monter les escaliers, j'ai nettement vu une différence. J'ai commencé le CrossFit parce qu'à la base, je faisais de la musculation. Et avoir le même programme, faire les mêmes mouvements, avoir le même nombre de répétitions à faire, ça devenait assez lassant. Je voulais quelque chose qui était plus diversifié, qui bougeait plus, et j'ai commencé le CrossFit. J'avais pas d'appréhension particulière avant de commencer. Je me suis simplement dit que ça valait le coup d'essayer, que j'avais rien à perdre. À quelqu'un qui se poserait encore des questions, je dirais ça, voilà, il faut venir tenter. Une chose qui est très importante à la boxe, c'est qu'on n'est absolument pas jugé, et bien accueilli, et très bien encadré, et on est encouragé par les autres membres, et ce, dès le début, quoi. Donc voilà, on est très très vite rassuré là-dessus quand on vient pour la première fois à la boxe. Mes craintes lors de l'inscription, je veux dire que j'avais pas de crainte. Je connaissais CFSB par Julien, qui en pratiquait depuis un moment, et j'avais aussi mon fils qui était déjà inscrit, donc aucune crainte. Juste quand on regarde les gens faire les cours, on se dit ouais, facile. Et quand on fait les premiers WOD, on se dit ah ouais, quand même. Bah, avant de m'inscrire, forcément, c'est la peur de pas y arriver, de pas réussir à faire les mouvements. Et puis on a toujours un peu une image de quelque chose d'inaccessible. Donc voilà, puis bah, forcément le regard des autres. J'ai pas eu de crainte quand je me suis inscrit là-bas. Les coachs étaient à l'écoute, les coachs ont répondu à toutes mes questions, donc ça me rebriva, j'ai eu aucune crainte, je me suis lancé. Le CrossFit a apporté beaucoup de changements dans ma vie. Je dirais que je me sens en bien meilleure santé, en bien meilleure forme physique aujourd'hui qu'il y a 3 ans ou même qu'il y a 10 ans. J'ai changé physiquement, puis j'ai changé mentalement aussi, puisque ça a forcément un impact sur la vie quotidienne. Quand on se sent mieux dans son corps, on a une façon de voir les choses qui petit à petit change, elle aussi. Je sens bien que j'ai une façon de voir les choses qui s'est modifiée petit à petit grâce à la pratique du CrossFit. Je dirais que je me sens plus vivant. Et quel a été l'élément déclencheur ? Donc l'élément déclencheur, c'est suite à une prise de poids. En fait, je faisais plus de sport depuis un moment, donc j'ai commencé à chercher dans des clubs de sport classiques. Et en fait, je m'inscrivais, puis je n'y allais pas, j'étais pas motivée. Et en fait, j'ai un ami qui m'a fait découvrir le CrossFit. J'ai commencé à en faire avec lui, puis par la suite, j'ai cherché ce qui se faisait sur Amiens, et j'ai fait mon premier cours d'essai. Je me suis intégré très rapidement à la boxe, comme je pense la majorité des adhérents. C'est-à-dire que tout le monde est super cool, les coachs sont au top, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se parle. Et je dirais même que dès la première séance, on a l'impression que ça fait plusieurs mois qu'on est adhérent. Ce que je dirais à quelqu'un qui hésite à s'inscrire, c'est ose t'inscrire et ose l'aventure CrossFit avec CFSB, parce que c'est que du positif.